Donc ça doit être la matérielle gain d'expérience, je suppose. Voilà, après on a sac surprise, évidemment. Putain, si on veut tout faire là. Je dois vous avouer que là, j'ai plus envie. Terrible, hein. Mais j'ai quand même plus envie de bourrer qu'autre chose. Je pense que c'est où? Ça va être quoi? Dans les violettes. Ah non, ou alors c'est un objet. Ah, c'est peut-être un objet en fait. Non, pas du tout. Eh non, mais ça doit être une materia. Forcément. Je vais trouver, hein. Gain d'expérience, voilà. Augmentant le point d'expérience obtenu en combat. Pardon. Bon, le truc, c'est qu'on n'en a qu'une seule. Donc, ça servira pour un personnage. Ceci dit, Aerys, on est bien d'accord qu'elle prend pas de niveau, là. Donc, peut-être que pour Aerys, ça vaudra le coup. Pour qu'elle rattrape un petit peu les autres. Bon, après... Parce que du coup, là, oh là là, mais les ambiances. Les ambiances. Parce que là, du coup, on n'a pas le droit aux objets ni rien, donc il faut faire un peu attention si on y va en solo. On le fait quoi. C'est terrible, hein. Terrible, hein. À la fois l'envie de looter, l'envie d'avoir envie, et en même temps. Parce que là, on a un duo. Un truc à faire en duo à ce moment-là. Bon, le truc en duo, on peut tester sans trop bouger des matériaux. Je pense que ça peut le faire. Après, qu'est-ce qu'on prend? Je ne sais pas. Ah bah si, on va peut-être manquer d'une matériel ou deux. Le cirque volant. Destiné aux aérocombattants et aux grenadiers. Donc il faut barrette. De toute façon, il faut barrette. Moi, je partirais bien sur un Tifa barrette. Personnellement. Et on voit ce qui se passe. C'est le vent. Barrette, à toi de jouer. Bonne chance. Je vais t'en mettre plein la vue. Prends ça. Merci. Ok. Ok, bon. Ta-ta-ta. Ah, par contre, j'ai pas mis de matériel analyse, donc si jamais il faut faire une analyse, c'est la mort. Biobardox. Eh ben, Biobardox, on va le bourrer, hein. Et sa faiblesse. Ah, gain de niveau. Voilà, ça c'est fait, merci à tous. Fais attention à toi. Viens, reviens ici, toi, voilà, laisse-toi faire. Voilà. Oh, c'était le bon combo, je crois. Ta-ta-ta. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Dracocamp. Ah, eux, malheureusement, c'est juste la glace et on n'a pas de matériel à glace. Ok, bon, pour l'instant, on va juste bourrer là les... voilà, les vigivrilles. Ah oui, le pire timing, bien sûr. Voilà, c'est bien.
Ok, lui il est mort. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais soigner, mais c'est allé trop vite. J'ai appuyé trop vite, trop fort. Ok. Bah, parfait. Aïe, 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 on les a pas analysés. Terrible. Mais du coup, eux, c'est le vent, hein, bien sûr. Attaque dans le dos, hein. Putain, j'ai esquivé au mauvais moment. Voilà, ça en fait un de moins. Barrette, qu'est-ce que tu fous? Barrette, qu'est-ce que tu fous? Barrette qui a pété un câble. Barrette qui a pété un câble. Parada 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 parada. Wyverne tigré. Ils absorbent tous les sorts de magie lorsqu'ils sont enveloppés par les ténèbres. Cependant, leur infliger un certain nombre de dégâts pendant qu'ils lancent méga gravité permet de dissiper cet effet. Ah, eux, c'était pas ceux qui mettaient la boule au milieu, si c'est ça, au secours. Bonne chance. Si c'est eux, oh putain, c'est ça, trou de verre. Putain. Je sais pas comment on annule ça par contre. Malheureusement, je ne sais pas comment on annule ça. Et ça va être relou. C'est là, méga gravité. Dès qu'on les laisse 2 secondes, il faut qu'ils se mettent dans le truc. À Tifa, elle va mourir. Ah, ça va être compliqué, hein. Ah, mais putain, mais Lia, elle reste dans le... Ah, c'est compliqué, hein. D'accord, eh ben super. Eh ben, il m'a interrompu mon prière. Eh ben, rip. Et ben rip. Tu peux t'en charger. Prends ça. Il suffit de tirer les dents. C'est cadeau. Ah, je crois qu'il n'y a plus le... Ok. Ouf. Oh, c'était serré, hein. C'est un peu déprimant. C'était serré. Le méga gravité, j'ai jamais réussi à l'interrompre, malheureusement. Je pense que je m'y suis mal pris.
Mais au moins, on a récupéré le... Putain, c'était quoi déjà? Je sais même... Qu'est-ce qu'il est con. Bon, après, il nous resterait ces trois-là, là. Pour des bracelets. Tout ça pour des bracelets. Bon, après... Avec une matière à soin sur le perso, en vrai... Putain, c'est vrai que du coup, je suis bête. Voilà ce que j'aurais dû faire. Aussi. Achever un ennemi avec tir à bout portant. Voilà ce que j'aurais dû faire. Eh ouais. Eh ouais. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose de le mettre là, mais... Du coup, c'est peut-être... Ah, prière qui peut... Qui va peut-être passer niveau 4, hein. Ça, c'est pas mal. Mais en réalité, il faudrait plutôt mettre un soin à la place. Puisque là, il va être tout seul. Donc, allons-y. Il faut donc achever des ennemis, hein. C'est bien ça. Il faut achever des ennemis avec tir à bout portant. Très bien. Allez, on va tenter. Pour un bracelet suprême. Après, c'est vrai qu'on peut le faire en facile aussi, hein. C'est vrai que je le fais en normal, mais on pourrait le faire en facile. Oh là là, ah oui, d'accord. C'est quoi déjà son truc? Ouais, en temps normal, l'attaqué ne remplit pas sa jauge de choc. Augmente lorsqu'il est en mode contre-attaque. Très bien. Ça, tant qu'on bouge, c'est ok. Du coup, qu'est-ce que ça fait tir à bout portant? Ah oui, du coup, ça s'est bloqué sur lui. D'accord. Allez, viens ! Dégage de là ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Là, et on va pouvoir le... Putain, le bâtard. Tu fais une petite sieste. Ça va pas. Dans ta face. Tu vas t'en manger une bonne dose. C'était plutôt pas mal. 1337, hein, évidemment, bravo. Ok, on a l'invoque, si jamais. Refaire ça. Ah oui, non mais du coup j'étais pas à bout portant, donc du coup c'était moyen. Est-ce qu'on fait une... Bah, le truc c'est que si on veut le terminer juste avec ça, on est obligé d'attendre en fait. Il est pas immunisé à ça, hein. Ça marche du coup. Ouais, ça marche.
Ouais. Ok. Ouf. Est-ce que ça va passer? Non, ça l'a pas tué. Oh là, je pense que ça devrait le tuer par contre. Oui, bonus de maîtrise obtenu. Donc il y a une suite? Ok. C'est un fantôme, c'est un petit fantôme. Légère résistance à la glace, faiblesse au feu. Ah ouais, mais j'ai pas dissipe barrière malheureusement. Oh, ils sont chiants, hein. Oh, mon dieu, qu'ils sont relous. Oh, c'était histoire de faire monter sa barre de choc, hein. Globalement. Le vampirisme. Il y a quand même mis de barre sur un choc, hein. Ouais, je comprends le peut-être 4. Effectivement, là, je comprends le peut-être 4. Mais ça me va, ça me va. Moi, j'accepte. Oh putain, par contre, qu'est-ce qu'ils sont relous, hein, à disparaître, là, toutes les deux frames et demi. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, hein. Espèce de petit bâtard. Oh sérieusement, il était à deux doigts du choc. Là, on est d'accord que tir à bout portant, ça le tue, là. Merci. Sa faiblesse, c'est le feu à lui. Sa faiblesse, c'est le feu à lui. Oh ! Oh, le brillant colossal. Lui aussi, c'est le feu, hein. Il contre avec une... Encaisser des dégâts le déstabilise, mais il contre avec une technique de projection. Putain, oh la technique, oh le mantra. Ah oh, mince. Ça va faire très mal.
Merde. C'était ça le coup du pendu. Ah, il passe en furie. On va y aller tranquille. À juste gérer. Compétence tir à bout portant apprise. J'aime quand il est à fond quand il court, ouais, pareil. Oh là là! Ah ça par contre, attention, ça peut être des mauvaises surprises, hein. Ah oui, non, lui par contre, il a pris tarif en fait. En fait, non, lui il a juste pris tarif, hein, finalement. Ouh. Après, ça va, ils nous mettent toujours face à un seul ennemi. Ce qui est plutôt correct. Là, lui, de toute façon, c'est la foudre. Putain. Mais choisis un truc en fait. Fais un choix dans ta vie, quoi. Maintenant, c'est du sérieux. C'est qui que tu sais faire? Oh, t'es dans la merde, là. Oh, t'es dans la merde, là. Pour en profiter. Ah, le problème, c'est que j'ai rien pour en profiter, justement. Oh, et puis hein. Ah oui, non, mais il faut avoir la max, c'est vrai. Une bonne dose de fraîche derrière.
y a pas de temps mort. Ok. Lésion sur les deux scies. Allez, faut y aller, monsieur. Let's go. Et c'est terminé. Bravo à tous. Punaise. Ouais, le problème, c'est que là, seul, c'est long, quoi. Le gros chocobo, il est à la plage. Tout à fait. Tout à fait. Il était à la plage. Bon, je vais vraiment le faire, hein. Il va vraiment le faire, ce con, hein. Il va vraiment le faire, ce con, hein. En fait, pour s'assurer que ça aille vite, il faudrait mettre toutes les matérias, en fait. Pour être à peu près sûr que ça passe. Donc déjà, on peut remettre... la mitrailleuse pour Barrette, c'est ok. On a appris le... voilà. Et là, du coup, on a récupéré le... ah mais non, le machine... non, c'était le métal lourd. Le bracelet suprême. Ah oui, si, le bracelet suprême, ça peut être... ben, c'est surtout l'autre qui va peut-être être mieux que pour Barrette, en fait. Complètement. Alors. À ce moment-là, autant mettre le sabre de Mithril, par exemple. Et, bon, PV augmenté, c'est vrai que c'est bien. On va quand même mettre le le gain d'expérience, parce que voilà. Techniques ennemies, analyse. Pff, ouais, analyse si jamais, mais... pff, franchement... faudra juste penser à le remettre. Hein. C'est juste ça. Il faudra juste penser à remettre tout ça. Ah, et on pourrait... ah ouais, mais non. Je vais peut-être pas mettre un truc sur l'arme, parce que si jamais on tombe sur le mauvais combo, on va mal le vivre. C'est un peu le problème. On risque de mal le vivre. Ça, et du coup, il nous faut la matéria de vent. Voilà. Et celle de soin. Ah mais non, Cloud, ah ben non. Bah si, celle de soin, oui. Voilà. Ah oui, en plus, le sabre de Mithril, c'est vraiment de la magie. Donc ben, j'ai envie de vous dire... on pourrait regarder vite fait l'amélioration des armes, mais... globalement, c'est la magie. Attaque magique, attaque magique. Bon, c'est vrai qu'il y a dégâts additionnels de matériel à affinité élémentaire, mais bon. En défense magique. Voilà. Histoire de dire qu'on a pris un truc, quoi. Voilà, allez. On va faire Cloud. On va faire Cloud. Et après, on fera Tifa et ça sera bon. Oh, j'ai presque envie de le faire en facile. Franchement, vous savez quoi? J'ai rien à prouver. Ah, mais en plus, c'est les mêmes! C'est les mêmes sbires, très bien! Rien ne m'arrêtera. C'est le moment d'en finir.
Non mais voilà, non mais sur ce genre de... Là, pour ce genre de truc, on va pas se faire chier. Hein. Vraiment, j'ai envie de continuer l'histoire, ça prend déjà suffisamment de temps. Voilà quoi. Merci. Oh le nul, il fait en facile. Oh le nulos. Ah bah bravo, hein. Tout ça pour faire en facile après. Ah bah bravo, hein, super, hein. Et après, ça se dit pro gamer, hein. Et après, ça se dit pro gamer. Ah bah bravo, hein. Ah bah c'est vrai que c'est sûr, du coup c'est beaucoup plus simple, hein, de suite, hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah bravo, hein, bah super, hein. Ah, moi je suis un peu déçu, hein. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse le New Game Plus en difficile et finalement il fait des défis en facile. Ah bah franchement. Franchement. Pas de quartier, c'est vrai. Attends, ça c'est cadeau, hein. Bouge pas. Déjà fini. Déjà fini. Franchement. Bon, en fait, on peut mettre la matéria élémentaire avec le feu, on s'en fout. Il n'y a que le tronçonneur à la fin, certes. On va bourrer. Comme si notre vie en dépendait. Ah oui, ça a piqué, je crois. Voilà. Je pense que, franchement... Franchement... Et encore là... Là, avec Tifa, je pense qu'on va aller un cran au-dessus. Si vous me permettez... Si vous me permettez ce petit plaisir... que je me permets... de moi-même à moi-même. Je pense que... je crois qu'on va même pas bouger la matéria de soins tellement j'en ai rien à battre. C'est juste que notre cher Tifa, on va lui mettre la matéria de feu. Ah bah tiens, celle-là en plus. Parfait. Voilà. On va quand même lui mettre la matéria de foudre quelque part. Bon, écoute, ma prière, c'est très très bien, mais on va lui mettre aussi, du coup, le gain d'expérience. Et ça monte. Faudra penser à remettre garde renforcée ou un truc dans le genre, mais... Ah non, mais attendez, il y a un truc. Attendez, non mais... Tant qu'à faire. Attendez, tant qu'à faire. C'est lequel qui a matéria, qui a le gain sur la matéria affinité élémentaire là. C'est pour la science. C'est lui qui l'a? Non. Non, c'est pas lui. C'est qui? Qu'il se dénonce. À qui? Qu'il se dénonce. Qu'il parle à jamais ou qu'il se dénonce. Là, tout de suite et maintenant. Dégâts additionnels de la matéria affinité élémentaire, plus 10%. Voilà. Voilà, là, ça, là on commence à parler. Là. Voilà, un petit ajout de matéria. Voilà, emplacement de matéria. Ajout. Ajout. Tout à fait. Là, ce serait une connexion. On s'en branle. Euh...
Dégâts de feu plus 5%. Et oui. C'est oui. Attaque magique plus 5. En vrai, faudrait le prendre. Excusez-moi, hein, je... C'est... Moi, j'ai envie de rire. Vous voyez ? J'aime bien l'idée de rigoler. J'aime beaucoup l'humour. 14, 14, 10 et 10. On va prendre attaque physique, attaque magique sur les deux, là. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Voilà. Voilà, ça, c'est bien. Ça fait plaisir, ça. Rapidité, vitesse de récupération des PM. Après, on s'en branle. Hein. Ah, si, il y avait les PM max. En vrai, les PM max. Allez. Petit peu de menuing. Voilà, c'est parfait. Les points supersoniques. Du coup, on va équiper les points supersoniques. Vous inquiétez pas, c'est pour la science. Vous inquiétez pas, c'est pour la science. Du coup, bonne affaire. Ça nous fait une matéria de plus. Et du coup, qu'est-ce que je voulais mettre ? La foudre. Tout à fait. Tout à fait la foudre. Hop, merci. Donc, foudre, feu, on n'a pas besoin du reste. On a affinité élémentaire. Attendez, celle de Barrette, elle est pas mieux par hasard ? Non, elle est pas mieux. Ok. C'est parti. Et je mets en facile pour aller plus vite. Tout à fait. Regardez. C'est, en fait, on gagne du temps, du coup. Ne t'inquiétez pas. Et après, on va continuer. Okay, c'est pour la science, c'est pour la science. Lui, c'est le feu aussi. Non, c'est la glace, lui. Non, c'est le feu, lui, en plus. Ah oui, c'est le feu. Prends ça. C'est pas fini. J'arrive. Est-ce que tu voudrais pas juste passer en... Voilà, merci. Merci. Avec quoi on termine, hein ? Un petit combo surpuissant. C'est joli. C'est joliment fait. C'est joliment fait. Et lui, c'était le plus chiant, sa barre de choc, du coup, elle augmente pas. Alors que lui, regardez. Alors que lui, c'est un frère. Oh, c'était presque un frère. Ça aurait été presque parfait. Merci. Ah, j'aime bien. Perso, j'apprécie. J'apprécie ce qui est en train de se passer à l'écran. Allez, viens mon grand. Viens, on va s'amuser. Tellement débile. C'est tellement débile. Allez, ramène tes fraises avec ton épée là de mort là. Oh, c'est un petit kiff. C'est un kiff perso, ça. Bon, lui, ça va être le plus compliqué. Lui, c'est la foudre. Tiens, prends ça. Ça va faire mal.
Oh non, il m'a silence, espèce de petit bâtard. C'est pas fini. Allez, salut. Ça détend. Moi, je trouve que ça détend. Voilà. Ça détend, ça permet de récupérer des choses. Et voilà! Moi j'ai envie de dire voilà! On a fait ce qu'on attendait de nous. Il n'y a toujours pas plus que 4 étoiles, hein, ceci dit. Toujours pas plus que 4 étoiles. Du coup, on va redonner ses gants de cuir. Non, ses gants renforcés à Tifa. Voilà. On récupère avantage de choc, garde renforcée, foudre. Foudre, qu'est-ce qu'elle avait à la place? Ça y est, je ne sais plus. C'était pas chronomancie. Là déjà, c'était, j'ai oublié. C'était prière. Bien sûr. C'était prière. On avait deux prières. Ici et sur Barrette aussi. Barrette qui a la deuxième prière ici. Et qui avait la matéria de vent. Que Cloud a récupéré, tout à fait. Et une autre chose, c'est qu'ici c'était pas du feu, c'était de la foudre. Voilà. Et du coup, Cloud, bah non, c'est vrai, c'est bon. De toute façon, on a la matière à feu à fond, la glace, le soin, analyse, techniques ennemies, c'est augmenté PV. Du coup, Barrette, on a certainement récupéré quelque chose d'un petit peu mieux pour lui. Le bracelet suprême, le bracelet runique, voilà. Et en plus, il y a un lien, c'est très bien. Et pour Tifa, du coup, bof. Ah ben si, un bracelet Machina. Ben oui, la Machina, bien entendu. Voilà, on est pas mal là. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Moi, je pense qu'il faut sauvegarder. Il n'y a que Tifa, en fait, qui a passé son arme de base. Son arme de base, c'est les gants en cuir. Parfait. Ben, on est reparti pour faire l'histoire. C'est bon! Je suis trop fort! Je vous en supplie, changez la compagnie Shinra. Vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer, monsieur. Ça va très très bien se passer. Donc, il y a un truc d'objet, là. Attendez, boutique d'objets. Ah oui, item shop. Bienvenue. Que désirez-vous manger? On peut rien acheter de particulier. Ah, on pourrait acheter. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Ah, le bracelet géométrique, il est nouveau, lui. Une configuration géométrique pour favoriser les associations de materia. Ah, on aurait pu acheter la batte cloutée. Ah oui, là du coup, il y a des armes qui sont à l'achat. Si jamais on les avait loupées, je suppose. Ok. Et donc, il y a un nouveau bracelet, le bracelet géométrique, qui permet d'avoir 4 materia en sacrifiant sa défense, du coup, clairement. En sacrifiant clairement la défense. Bah du coup, on va pouvoir acheter une materia de feu si on veut en monter une troisième. Voilà, merci. Parfait. Voilà. Ça fait plaisir. Un petit tour sur le banc. On est reparti, quoi.